Salut tout le monde, c'est Arc79, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Odyssey. Et dans cet épisode, on va essayer de terminer. On va essayer de terminer la quête principale, donc celle-ci. Je dois les contrats, c'est pas grave, celle-là on va à l'après de toute façon. Donc, celle-ci. Tuer des soldats atteignant Mégaris, 10 sur 20, il me reste en tuer 10. Tuer Hyrcanos, on va essayer, il est du même niveau que moi, donc il y a peut-être moyen que je le gère. Mais avant, on va faire ceci. Une prime sur Brigand, on a une prime, il reste 23h28 minutes pour la faire, elle est du même niveau que moi. Et ça m'intéresse, ça va me donner quelques XP. Et peut-être du meilleur stuff pour affronter Hyrcanos et les deux autres mercenaires qui me posent problème. J'aimerais bien m'occuper d'eux le plus vite possible. Putain, c'est dommage que je me suis pas pris, que je me suis pas attaqué du coup aux trois mecs qui m'ont attaqué, ça m'aurait fait 3 ennemis en plus, 3 Athéniens. Et ça m'aura arrangé. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est éviter ce fort, bien évidemment. Ouais. Ah, affaibli. Nous sommes bien dans une zone qui est affaiblie, parce que j'ai pu voir en bas à droite. Je suis en train de chercher le mot, mais c'est la zone qui... Allez. On passe par là. On va passer par ici, contourner. Parce que si j'y vais de front, c'est mort. On va passer par là. Ça me paraît beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que cette SP vous plaît. Moi, ça me plaît de plus en plus de le faire. Allez. Et plus les épisodes avancent, plus je kiffe. C'est abusé. Même si pour l'instant, je me fais défoncer, mais j'ai pas encore la mécanique en main. Une fois que j'aurai toutes les mécaniques, ça sera parfait. Et je pourrai faire ce que je veux. On a un point d'interrogation ici. Qu'est-ce que c'est? Trésor à récupérer. Ok, regardez ce qu'il y a. Il n'a pas l'air d'avoir de requin là-dedans. Putain, s'il y a un requin là-dedans, je suis même plus maudit de la terre. On va récupérer ce coffre. Ça peut être un truc intéressant à l'intérieur. C'est ça qui m'intéresse, d'avoir des trucs intéressants et du bon stuff. Parce que pour l'instant, là, mon stuff, c'est pas qu'il est. Comment dire, pourri. Bah, si, c'est le mot en fait. Il est vraiment pourri, mon stuff. J'ai un stuff dégueulasse, il est nul à chier. Et ça m'intéresse pas de garder ce stuff très longtemps. Allez! On a récupéré le coffre. On va pouvoir faire cette prime désormais. Et avancer un petit peu plus dans l'histoire principale après. Parce que c'est quand même quelques épisodes hein, qu'on est déjà sur cette île et qu'on n'a pas encore été chercher le. Qu'on est pas retourné en navire en fait. Et ça m'intéresserait de retourner un peu sur mon navire et de faire quelques missions maritimes pour améliorer mon navire. Ce serait plutôt pas mal. Il y a des loups qui sont sacrément en train d'hurler à côté de moi. S'ils pensent que je ne les entends pas, c'est une bien grosse erreur. Si je veux éviter un combat, je dois rester. Ok. Pour l'instant, je suis caché dans le coin, tu vois. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc ici encore? Oh putain, je l'avais pas vu, ça, je suis passé à côté comme si de rien n'était. Ok. Ok. D'où ça crame? Vous êtes tellement con que vous avez réussi à faire cramer ça tout seul? Allez. Normalement ça devrait passer. Ouais, ils ont des clébards aussi. Caméra un petit peu buggée, c'est pas grave. Merde, pas assez de portée. Voilà notre chance. Chien, moi je m'occupe de lui assez rapidement. Par contre, ma vie, je la régénère pas. C'est bien que je puisse régénérer un peu ma vie. Aïe. Il va vraiment falloir que j'esquive les flèches le plus vite possible. Ah, dégage. Avec le poisson, on va voir si j'y suis. Ok. Placement de mercenaires level 10, flèche ordinaire, cuir souple. Ok, magnifique. Tuer les brigands. Il est où le dernier que j'ai pas tué? C'est le mec que j'ai jeté à l'eau? Ça compte pas? Je suppose qu'eux aussi doivent compter à mon avis. Avant, je vais prendre le coffre et je vais m'occuper de celui qui est dans l'eau, vous inquiétez pas. Ok.
Récupérer. Arc de chasseur, level 9. Ah bah tiens, on va pas dire non. Putain, je peux le recruter. Non, ça m'intéresse pas de le recruter en vrai. Adieu. Putain, c'est bien, si tu laisses des mecs trop mal en point, tu peux les recruter. Bon. Toi. On a pas terminé, toi et moi. Voilà, on a terminé. J'ai récupéré la prime, magnifique. Magnifique, bientôt level 10. Juste avant, on a encore ici un campement. Qu'est-ce qu'il offre lui? Pour le navire, hein, je parle. Hein. C'est une femme. Mis à part des dégâts incendiaires, elle n'offre rien grand chose. Elle mérite la mort. Elle mérite la mort, carrément. Mademoiselle, madame, c'est pas quoi dire. Il est temps pour vous de mourir. Parfait. Allez. On avance un peu. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Récupérer. C'est parfait. Et voilà. Cap de pisteur. Je crois qu'on va vraiment regarder à mettre des équipements de notre level. Hein, parce que maintenant, le style, c'était amusant. Il va peut-être falloir que je commence à améliorer mon personnage. Bon, ici j'ai rien de plus intéressant à part ce casque de level 10, mais je n'y suis pas encore là. Ici c'est pareil, j'ai rien encore. Un petit peu triste. Mais là par contre, putain, ouais, il faut vraiment que je passe level 10 très vite. Je suis bientôt level 10, donc ça me paraît plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai. Ah oui, d'accord, je l'ai pas vu, il est tout à gauche. Celui-ci pour l'instant, hop là, on va le mettre. Putain, il est joli en plus. Voilà, on va le mettre. C'est bien, c'est pas moche. Ici, rien de plus intéressant pour l'instant. Et là, non plus. Avec ce genre de stuff, je suis pas encore prêt d'affronter l'autre. Hop. Et ici, quelque chose de plus intéressant peut-être. 132, c'est le même. Okay. Donc, rien. Sûrement qu'on passe level 10, on pourra mettre un ou deux trucs en plus, ce qui me paraît plutôt pas mal. Donc, on va pas aller affronter lui tout de suite. On va plus s'occuper des 10 Athéniens à tuer. Et du coup, quoi de mieux que de retourner dans ce fort? Ah oui, carrément, on y retourne. Hein. Parce que là, il va y avoir des Athéniens à tuer. Et j'ai des coffres à récupérer avec un peu de chance. Ce qu'il y a à l'intérieur peut être plutôt bon. Donc, on va aller récupérer ce qu'il y a là-dedans. En plus, normalement, je ne devrais pas avoir de problème de mercenaires cette fois-ci. J'ai pas les étoiles de recherche en bas à droite. Ce qui fait que je devrais plutôt gérer ça assez facilement. J'ai bien dit, je devrais plutôt gérer ça facilement, ce qui n'est pas sûr. On va récupérer un petit peu de bois d'olivier. Ça nous permettra d'améliorer le navire plus tard. Donc, parfait. Donc, objectif ici, récupérer les 3 coffres. Essayer de tuer 10... J'espère que c'est des Athéniens là-dedans. Essayer de tuer les Athéniens. Et ça pourrait être pas mal pour tuer l'autre après. Pour nous occuper du mercenaire. Qui nous pose problème. Ouais. On doit relock tout le monde, mais ça, c'est pas trop grave. En plus, je crois que, comme on est pendant la nuit, il y a la plupart des gardes qui sont en train de dormir. Et on avait déjà fait un bon ménage la première fois. Ce qui fait qu'il ne doit plus rester trop de monde là-dedans. On a déjà fait un bon ménage. J'ai l'impression que le jeu s'en est souvenu qu'on a déjà fait un bon ménage. Et du coup, on a des morts qui sont déjà sauvegardés. Et c'est vraiment très bien. Alors, qu'avons-nous de ce coffre? Une fausse cérémoniale de level 10. Level 10, bientôt, bientôt. Bientôt des nouvelles armes. Faire moins de bruit parce que là je suis en train de me déplacer en faisant énormément de bruit. Ce n'est pas dans mon intérêt de me déplacer en faisant beaucoup de bruit, de me faire repérer par tout le monde. Tombe. Je vais aussi essayer de. J'espère que c'est pas une compétence qu'il faut. C'est empêcher les ennemis d'appeler des renforts, c'est-à-dire que je peux piéger les trucs et s'ils les appellent, ils vont mourir en fait. Ils ne pourront pas appeler de renfort. Ça me paraît plutôt bien. Monter sur le toit très vite. Récupérer ça. Enfin, le coffre. Et empêcher les ennemis d'appeler des renforts et tuer le mec là. Juan aurait aussi terminé celui à 100%. Ça nous permet d'avancer. C'est plutôt pas mal. On va d'abord récupérer le coffre. Dis-moi que je suis à level 10 vraiment. Nouvelle quête. Brigand, bandit et autres. Ok.
Est-ce que je peux le faire? Établir un piège, voilà. Ça c'est vraiment bien, c'est-à-dire que si le mec essaie d'appeler des renforts, c'est mort. Ok. Un truc de level 11. Ok, ça tourne en argent du level 11. Même si on n'a pas level 11 tout de suite, au moins on l'aura. Il t'a pas vu, il est aveugle, tant mieux. Arrête, arrête, arrête. Hop. Allez, démonte, on le démonte. Waouh, mais il est tellement fort le mec. J'ai plus d'endurance en plus. Il y a moyen de terminer là. Il n'y a pas moyen tout de suite de terminer. Oh, attends. Ah, c'est terminé. Ouf. Drachme et une tablette d'argile utilisée. Fort Guéranéa terminé. Ok. On a reçu une nouvelle quête, on va vite regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette quête? Enfin, qu'est-ce qu'elle nous donne? Donc attends. Ça, je suis dans les primes et les contrats, ça m'intéresse pas tout de suite. Contrat. Ok. C'est quoi ça? Tuer des archers athéniens en Mégaris. Ok. On essaiera de le faire, mais c'est pas tout de suite ce qui m'intéresse. Une guerre et personnage. Brigands, bandits et autres. Terminer tous les objectifs de campement de brigands. 5 sur 10. Ok, donc ça, il faut chercher après des points d'interrogation et papillonner. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des Athéniens? Oh, l'ours qui est mort. Vert, viande crue, cuir souple. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, on va s'enfuir par là. On s'en bat les couilles, on s'enfuit par l'entrée principale. C'est pas problématique. Donc il faut qu'on tue des Athéniens maintenant. Donc j'imagine que pour tuer des Athéniens, on va devoir papillonner un peu. Pour trouver des campements athéniens, tout simplement. Donc on va prendre notre cheval, bien Phobos. Et on va aller sur la carte chercher après des campements. Enfin pas des campements, mais des points d'interrogation. Hyrcanos Jorizé, c'est lui, hein, notre cible. Hyrcanos le mercenaire. Hein. Parce que je suis toujours en... Ouais, je suis toujours en Mégaris. Pas que je quitte à Mégaris, le Mégaris plutôt. On va aller là, 511 allez, mètres. Je dois sûrement avoir des soldats athéniens. J'ai peur de me frotter Hyrcanos avec mon staff actuel. Vous avez vu comment le commandant là, il a fait me dégommer. Tu crois vraiment qu'Hyrcanos il va me regarder en mode. Vas-y, hey. Aucun souci. Non, ça servira. Ça sera pas assez. Il va vraiment falloir que j'améliore mon stuff. Sans mon stuff amélioré, ça ne passera jamais d'ailleurs. Allez. C'est moi le cheval, il est complètement lent, je peux rien en faire. Suivi de route. Je sais pas ce que je vais faire, allez arrête. Je vais pas faire le suivi de route, je vais juste que mon cheval accélère, voilà. Ça m'intéressait pas plus que ça. Qu'avons-nous ici? Colonne de Dionysos. Ok. C'est des bandits qui tiennent ça? J'ai l'impression que c'est des bandits et pas des. Comment ça s'appelle? Des Athéniens. L'endroit est forcément surveillé. Je dois putain. Cassandra? Putain, le truc, la charge avec R2 que j'ai pris comme compétence, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Mais arrête, je peux. Waouh. Non, 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 pas Luke, tu vas me tuer, tu rigoles ou quoi? Dégage, je me fais tuer par un loup, je suis dégoûté. Dégage. Putain. Et le jeu en difficile, ça n'a rien à voir.
Ça n'a vraiment rien à voir. Mais bon, il y a un coffre, tant mieux. Ce que je vais faire, c'est récupérer. C'est récupérer. Merci, interagir. Tarif réduit, c'est ton enjeu en dehors. Ton enjeu dehors. Alors, j'attends la fin de la guerre. Les seules fois où je quitte cette grotte, c'est pour... Ok. Gants de mercenaire level 9. Oh, merci. Merci. Les gants de mon niveau. Boum. Ils sont pas dégueulasses en plus. Level 11, bon. Peut-être pas forcé non plus. Faut attendre d'être level 10 hein, pour mettre tout ça. Hein. J'ai rien avant le level 10, ça va être chiant. Ça. Bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Ça, c'est le même. Ok. Carte. Qu'avons-nous ici? On va faire ça maintenant. Tuer des soldats athéniens en Mégaris. On survint. Ok, donc finalement, c'était pas des soldats athéniens du tout. Et ça, c'était juste un lieu panormos. Ok. Bon. Je suppose que si je veux tuer des soldats athéniens, en vrai, j'ai pas de difficulté. J'ai qu'à aller là, en fait. Là, ici. Ok. Tu sais quoi, on va directement aller là. On va directement aller là. Hyrcanos sur réseau rencontré sur notre route. On va le tenter. Mais si je veux trouver des soldats athéniens, ce sera là le plus simple. Allez, viens. Allez. C'est pas ça que je voulais faire non plus, arrête. Le suivi de route, il me saoule vraiment. C'est directement lancer la guerre, hein, je crois, là. Je vais directement lancer la guerre, mais c'est pas grave. Il me prend de la tête. Il me saoule les loups. La vidwam, il me saoule. Ok. Donc ça c'est quoi cette mission? Que je regarde tout de suite. Les Kritos, amants des Kers, représentants de Mégaris. Ouais, le dirigeant des armées vulnérables. C'est de lui dont je dois m'occuper. Donc ça m'indique bien qu'il a un niveau en plus que moi. Donc ça, c'est une ville. Je suis bien dans une ville, j'ai le droit d'y aller, il n'y a aucun souci. Faut juste que je fasse attention. Oh mec, ok ça. On va aller dans cette ville. On va prendre le point d'observation. Et on va s'occuper du mec. Je vois pas pourquoi je m'occuperai pas de lui. Alors, il a un niveau plus que moi. Que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit. C'est des soldats athéniens tout ça. La capitale. Si le chef est quelque part, ce sera là. On va s'occuper de ces soldats athéniens du coup. Plus le temps que je cherche. Je dois commencer à vous attendre. Putain. Toi, t'as juste un arc pour l'instant. On va te dégager assez vite. Level 10, ça fait plaisir. Ouais. Boum. Voilà, le dirigeant est désormais vulnérable. Et là, on va mettre tout le stuff de level 10, on va aller s'occuper de lui. Et je suppose qu'Hyrcanos va venir. Prime, attention, chercheur des primes, vous traque. C'est normal, y a aucun souci. Y a aucun souci, mais je m'en moque. Je m'en moque. Maintenant, on va s'occuper. Juste à quoi il ressemble. Ouais, c'est moche, hein. Et juste, on va s'occuper du mec qui nous ennuie. Malheureusement, là, c'est 11. Là, on a rien. Il y en a une nouvelle arme ici.
Boum. Voilà. Ça me paraît bien mieux comme ça. Par contre, va juste faire attention au mec, le dirigeant des armées vulnérables, ok? Ou aux chasseurs de primes qui peuvent s'acheter sur moi à n'importe quel moment. Parce que s'il s'attaque à moi pendant que je m'occupe de lui, ça va être un petit peu difficile. Allez. On a un forgeron qui est là. On va aller le voir pour revendre tout ce qu'on ne met plus. Et peut-être que lui aura des choses intéressantes pour nous. Nous offrons les meilleurs prix. Alors, je vais te vendre tout ce qui m'intéresse plus, mec. Ça me fera de l'argent. J'ai absolument besoin de cet argent. Alors, peut-être pas maintenant, mais sur le long terme, j'en aurais besoin. Donc, bon. Elle était du même niveau, hein, je préfère regarder. Ok. 11448 pièces, ça me paraît pas mal. T'as pas quelque chose de bien en termes d'armes? Elle a plus de dégâts cette épée. 167. J'ai acheté ceci. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît mieux que ça. Et puis je préfère les épées de toute façon. Ça c'est des dagues. Ça c'est une seule épée. On va prendre ceci. Asinas. Ok. Merci. On va la mettre dans l'inventaire. Et on va essayer de défoncer le mec avec ça. On a une nouvelle aptitude en plus, c'est parfait. Boum. Aptitude. Qu'est-ce que je peux prendre comme aptitude? Envoyer la lance de Leonidas sur un ennemi. Ça peut être pas mal d'envoyer la lance de Leonidas en vrai sur quelqu'un. Oh. Je vais mettre ceci pour me soigner. Un triomphe pour me soigner, mais c'est beau ça. On va prendre ça pour se soigner. Bon, si on peut faire ça en discret sans se faire repérer, ça serait pas mal, non? Bon, y a plus qu'une poignée de garde. Y a plus qu'une poignée de garde pour le soutenir, hein. Vous m'arrangeriez facilement la vie si vous mourrez. Si vous pouvez mourir, ça m'arrange. C'est simple de dire ça en fait. Pourquoi le loup vient se jeter sur moi et ils peuvent empoisonner les loups aussi? Attends. Toi, tu comptes t'enfuir et j'ai pas trop envie que tu t'enfuis. D'ici Sparta, tu connais? Dégage. Ça me paraît très bien. Ça me paraît bien mieux mort. Ah, un problème de mercenaires. Ce serait pas notre ami que je dois me débarrasser d'ailleurs? Si, ça me paraît. Non, c'est pas lui. Ah. Débarrasser de lui, prendre une salsa ce bâtard. Si on repousse bien loin de nous, c'est bon. Et là, je commence à le gérer là. Allez, meurs!
Merci bien. Confirmer l'assassinat. Oh oui, d'accord, là on le confirme bien l'assassinat. Brassard de TC, voilà, boum. Possible d'emmener équipement à votre niveau actuel en rendant visible. Oui, ça je sais. Pardon, je crois que ça a dû faire un bruit dans le casque. Désolé, c'était pas le but. Ah là, on avance un peu. Boum. Je crois que c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, tout monter actuellement à level 10. Ah. Voilà, un panier de level 10. Je ne vais pas dire non. Elle est bien jolie, ma petite Cassandra, comme ça. T'es bien jolie, mon ange. Mon ange, j'ai bégayé. Quête. Voilà, je vais pouvoir enfin rencontrer Leonidas. Nikolaos. Leonidas. C'était mon grand-père, je crois, Leonidas. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Voilà. Oh putain. Il est retourné, le mec, quand tu l'as tué. Il y a encore Hyrcanus le rusé que j'aimerais bien m'occuper. Au pire, ça, on fera ça dans l'épisode suivant. Mais ici, on va aller voir la quête principale, c'est-à-dire. Rencontrer Nikolaos, ça me paraît pas mal. Et j'ai enfin du stuff digne de ce nom, je peux monter ce cheval. Donc, c'est pas mon cheval, mais je peux le monter. Allez, rendre compte à Stentor. C'est bien, je suis content d'avoir pris un petit peu du level, je suis passé level 10. Et on dégage un mercenaire. Bon, c'était pas. Sinon, c'était pas un de ceux avec qui j'avais eu des soucis. Mais au moins, je me suis débarrassé de lui. Il me laissera un peu tranquille pour le moment. Ça me paraît une magnifique option. Bon. Il va falloir quand même que je me prépare à affronter les deux suivants. Enfin, il y a Hyrcanus déjà. Que je dois. Attendez, je vais regarder maintenant. Dans le mercenaire. Qui je dois affronter. Il y a Hyrcanus. Hyrcanus, j'aimerais bien m'occuper de lui. Mais il y a surtout cette pute, la Tisiphone, la femme du Nord. Je l'avais mis à la moitié de sa vie, j'ai eu le temps de m'enfuir parce qu'elle allait me tuer. Et j'ai eu le temps de bien la réduire, cette canasse. Mais je pense que... Oh, mon cheval. Mais je pense que je risque d'avoir d'assez nouvelles prochainement, sachant que j'ai encore la petite menace en bas à droite. Mais... Je n'en suis pas là, hein. Il me prend d'aller si vite, bah, rien. Allez, Stentor. J'ai fait mon boulot, toi de faire le tien maintenant. Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef Athénien est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Bon. Je suis quand même Sparte, en vrai, donc je peux dire ça, hein, mais je vais plutôt dire ça, quand même. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui, il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléo s'attend. Toi... Tu lis dans mes pensées. Oh là, ce craquage de doigts, j'adore. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. Je vais vous retrouver. Je te retrouve au campement. Très bien, mais ne tarde pas, nous allons bientôt attaquer. Voilà, je vais m'arrêter tout de suite pour cet épisode, pour pas le faire durer, c'est pour ça que j'ai dit que je ne rejoignais pas tout de suite. On fera ça dans le prochain épisode, dans l'épisode 11, ne vous inquiétez pas. On a plutôt bien avancé, on a enfin du stuff de notre level. Je crois que d'ailleurs, je vais aller mettre tout le stuff que j'ai au level 10. À part peut-être... c'est quoi? C'est le truc en bas que j'ai? Je crois que c'est la partie du bas que je peux... Que j'ai bientôt level 11, ouais. Cette partie-là, j'ai bientôt level 11. Au pire, j'attendrai passer level 11. Une fois que je serai level 11, je mettrai tout ça à mon niveau. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On a plutôt bien avancé. Et on va pouvoir enfin aller voir Nikolaos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Zarko. Bye tout le monde.